Et coucou à tous, c'est Argence, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Deathrun sur Fortnite. Donc c'est un Deathrun de 25 levels, voilà. On va tout de suite commencer. Donc j'avais dit que je vous ferais cette vidéo hier, bon, en gros mardi, mais j'ai préféré vous la faire aujourd'hui, voilà. Parce que du coup, il y avait pas, enfin il y avait grève aujourd'hui, enfin grève. Aujourd'hui c'était férié, pardon. Donc voilà. Alors désolé si vous voyez un petit icône Wi-Fi à côté, voilà, je capte pas très très bien. Donc c'est pour ça. Bon, des fois ça s'enlève en fait. Donc le code sera évidemment en description. Oh non. Il y a des répulses. Je déteste les répulses, ça vous le savez. Alors du coup, je m'excuse aussi pour la vidéo de Rocket League. Donc ceux qui l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Tout simplement, elle est sortie très très mais très mais très 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 en retard. Elle a mis au moins 3 heures à sortir. Alors que d'habitude, ma vidéo ne sort pas du tout. Ça va. Ma vidéo que je fais, ils mettent pas du tout 3 heures à sortir. Donc il y a dû avoir un gros bug sur le truc. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Voilà. Donc à part ça, voilà. Et j'ai réussi. Voilà, en faisant ma petite technique, vous avez capté. Voilà. Je sais qu'il y a un truc ici. Hop, et j'ai réussi. C'est bon. Il y a encore des répulses? Ah non, pas du tout. Ok, bon bah nickel. Oh, c'est des trucs de glace. Ça glisse ou pas? Pas du tout. Je m'attendais à ce que ça glisse. Ah, je m'attendais à ce que ça glisse. Mais ça glisse pas. Il y a les trucs en dessous de l'eau, en fait, il y a des pièges. J'avais même pas vu d'ailleurs. Parce que ça se voit pas en fait. Je pensais que c'était quand tu tombais dans l'eau, tu mourais. Mais en fait, il y a des pièges juste en bas. Voilà. Donc quand j'ai la motivation de faire les vidéos, bien évidemment, je vous fais les vidéos. Mais j'essaye un maximum d'être actif. Il compte les éliminations. 5. C'est des destroys, mais il compte pas du tout. Oh merci. Je me suis trompé de sens. Ça, c'est des pièges. En fait voilà. Donc comme je disais, j'ai la motivation de faire les vidéos, bien évidemment que je vous ferai les vidéos, logique. Voilà, hop, et voilà. Et bien sûr je vous les fais toujours le ah je connais ça, bien évidemment je vous fais toujours le soir parce que forcément c'est le moment où je bug le moins. Je pense que vous m'avez compris. Enfin, les gens qui me connaissent vont me comprendre. Non! J'ai avancé trop trop loin. Enfin, trop près, pardon. Du coup, là. Ouais, c'est pas grave. Ici, il te. La 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 la. Mais wesh. Ça, faut jamais toujours avancer trop près. Parce que sinon. Tu meurs en fait. Bon, tu. Oh non, j'ai une croix rouge. J'aime pas les problèmes de wifi comme ça, c'est chiant. Mais tant que ça bug pas pour le Deathrun, c'est bon. Comme vous avez pu voir, j'ai changé de skin. J'essaye de changer de skin à chaque Deathrun en fait, à peu près. J'ai aussi cette pioche là. Donc, la petite pioche là. Alors, en fait, pour ceux qui ont le PS Plus, pour ceux qui savent pas, il y a un pack gratuit. Pourquoi il me le récupère pas? Ok, c'est bizarre. Pour ceux qui ont le PS Plus, bien sûr, il y a un pack gratuit en fait à chaque fois. Il y a un truc là? Ah oui, c'est là. Il y a un pack gratuit en fait. Pour ceux qui ont le PS Plus, vous allez dans le Play Store. Et puis il y a un pack gratuit. Vous allez dans PS Plus. Et vous allez, il y a un truc Fortnite. Il y a des packs avec des armes. Enfin, des armes. N'importe quoi. Des pioches, pardon. J'attendais de mourir en fait. Avec des pioches, des revêtements, des V-Bucks, etc. Moi au début ça je le savais pas, donc je l'ai appris ça par un ami, donc si tu passes par là, merci beaucoup. Voilà. Donc j'ai eu cette pioche, j'ai eu des revêtements, j'ai eu des fonds d'écran aussi, de chargement, etc. Voilà. Donc j'avance pas beaucoup à Fortnite, je suis quand même level 50. Mais bon, normalement j'espère que ce Deathrun là, je pourrais passer le niveau 51.
Je suis vraiment très très peu. Je suis vraiment pas loin du tout. Voilà. Il reste quoi encore? Ah oui, putain. Par contre, les trucs comme ça, j'y arrive jamais. Mais jamais. Mais là, j'y arrive, mais. Un truc de la fin. Un truc de la fin. C'est 25 Deathrun. 25 Deathrun, ils disent 30. Bizarre. Enfin, 25 level, ils disent. Là, ils disent 30. C'est bizarre. Donc voilà. N'importe quoi! Mais n'importe quoi, j'avance! Alors, du coup, bon, on est en confinement logique. Du coup, nous, en fait, pour midi et deux. Alors, oui, parce qu'en fait, moi, demain, je finis très tard entre midi et deux et je suis une externe. Donc, du coup, normalement, moi, je sors, enfin, je rentre chez moi, parce que comme fini très très tard, j'ai pas le temps de rentrer chez moi. Du coup, je mange à. Enfin, il y a un city pas loin de mon établissement, et donc du coup, je mange là. Parce que comme on est en confinement, eh ben, il faut faire une attestation, tout ça. Mais bon, je suis à moins d'un kilomètre. Donc, du coup, juste à faire une attestation. Et manger. Mais voilà, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, là j'ai fait une attestation pour demain. Pour au cas où si la police arrive, ouais, vous faites quoi ici? Bah, donnez votre attestation. Allez. Ok, c'est bon. Mais non, mais. Le truc qui met 15 ans à se déclencher, tu vois. Voilà. Donc voilà un peu le topo du truc. Donc pour ceux qui sont externes comme moi et qui finissent tard et tout, et qui n'ont pas le temps de rentrer chez eux, vous êtes dans la même situation que moi. Parce que vous avez un city dans votre truc, enfin établissement, pardon. Ah non, pas ça. Bah vous êtes comme moi, du coup. Non. Oui, y a un deuxième truc, du coup, pour sauter, c'est un peu la merde. Du coup, bah. Voilà quoi. Bah en fait c'est un peu compliqué là le petit truc là enfin pour passer et tout tu peux pas. Enfin si de toute façon tu peux parce que sinon ça y serait pas mais pour accéder à l'autre truc tu pourras pas. Enfin, en tout cas ça me semble impossible pour moi mais on passe près, on passe vachement près du truc mais est-ce que je vais réussir hein? Bonne question. Ah mais t'as besoin de t'activer toi? Et il fait peur comme pas deux le truc qui s'est activé tout seul. Je sais pas si vous avez entendu, mais si vous avez pas entendu, bah. Voilà. Là là. Ouais, c'est bas, c'est haut en fait. C'est trop bas. Du coup, bah. On va rester bloqué sur ce truc. Ça marche pas. Alors, faut que j'atterris, c'est que je saute peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça et pas ça, mais. On est pas loin quand même, c'est ça le problème. C'est qu'on est vraiment pas loin du tout. Et après, ça va où après? Ah, ça va là, ok. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi ça m'emmène là? Ça marche pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas. En plus, il y a un moment où ça bug. Je sais pas si vous voyez, vous allez voir, mais. Ça marche pas trop, quoi. Oh, ça allait marcher. Alors, je crois que j'ai compris. Alors, ce que j'ai fait, c'était bien. Vraiment, c'était bien. Mais le problème, c'était pour. Ouais, ça recommence.
C'était bien, mais j'aurais dû re-re-sauter et puis pfiou, en avant. Mais non. Non, mais non, mais je voulais re-sauter sur le truc. La fille qui rage, tu sais. En fait, c'était bon ce que j'ai fait, mais voilà, en fait, ça va pas assez loin, en fait. C'est pour ça qu'il fallait que je voulais re-sauter sur le truc, en fait. Mais là, j'ai pas re-sauté. Je suis trop bête, en fait. Non. Donc du coup, si vous voyez cette vidéo, avancez, parce que comme ça vous ne verrez pas galérer. Voilà. Non. Je voulais passer sur le coin pour avancer. Bon, maintenant j'ai compris comment il fallait faire. Mais enfin! Est-ce trop tôt? Non. Pourquoi je suis comme ça en fait? Ah oui, c'est bon. Ah, ça m'a tué, mais vraiment. Bon, bah du coup, j'avance doucement, ça me tue. Mais du coup... Ah, mais si, c'est bon. Ok. C'est bon, j'ai réussi. Je me suis... Why? Je me suis fait mal. Du coup, j'ai réussi. Du coup, je me suis dit, j'avais sûrement pas réussi et tout. Wow, doucement! Wow! Putain, mais on me respecte. Non, mais on me respecte pas, c'est abusé. Bah, je suis en vidéo, tu pourrais au moins respecter, je sais pas. Tu savais pas, pardon, je vous ai. Mais je vous ai. Ah, je vous ai prévenu, foutez pas de moi quand même! Oh, mais t'étais pas là, bien sûr! MDR! Pardon. Non, mais moi, on me respecte pas, désolé les abos, mais. À chaque fois que je fais un truc, on me respecte. Mais R, mais vraiment R. C'est un truc de ouf. Attends, en plus, à chaque fois que je fais une vidéo, je préviens ma famille, tu vois, parce que du coup, pas qu'ils font, enfin, qu'ils fassent le bazar. Parce qu'à chaque fois, on entend des cris, tout, c'est chiant. Et du coup, bah. Et bah, comment vous dire qu'à chaque fois, bah, je préviens. Et là. J'étais pas au courant! Merde. Excuse pour foutre le bordel, en fait. Bon, du coup. Pendant que j'étais en train de me prendre la tête, du coup, j'ai même pas réussi ça, mais j'avance trop loin, je crois, en fait. Faut que je saute doucement. Là, je suis au 19 sur 30, en fait, c'est un test run de 30 levels et pas de 25. Mais bon, je sais pas pourquoi c'était marqué 25. Ils ont rajouté 5 trucs de plus, peut-être, je sais pas. Ok. Hein? Ah oui, en fait, faut, oui, bon, je sais qu'il faut pas toucher, mais ah, 51, je préférerais. Donc quand je suis enfin passé au niveau 51, ah bah 52 bientôt, enfin pas encore. Pour ceux qui veulent avancer en niveau, faites comme moi, faites des death run, MDR. Et voilà, et nous sommes au niveau 23. Ah bah en fait j'ai réussi. Oh là là. Attends, du coup je vais récupérer ça. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et bye bye tout le monde!